C'était vendredi 7 juillet passé dans l'église Our Lady of Miracles, dans le quartier Canarsie, dans Brooklyn, New York, que l'organisation qui relie tête li, le regroupement des intellectuels et professionnels haïtiens d'outre-mer, RIPO, t'a prendre hommage dans une messe solennelle à mémoire président Jovenel Moïse, dans date 7 juillet ça, qui marquait deuxième anniversaire assassinat président. Messe là t'est programmée pour commencer à 7h du soir, mais bonheur depuis 6h de l'après-midi, nous t'ai remarqué quelques membres organisation Komokoda qui ont même tap installé pancarte revendication devant porte l'église là en signe de protestation, ça qui pas t'empêcher messe là dérouler quand même en dedans l'église là. Nous sommes assemblés ce soir pour offrir cette messe en mémoire du président Jovenel Moïse. C'est révérend père Hugues Bérette qui t'ai chanté messe là. Pas de gain en pile monde qui t'ai répondu présent à invitation messe ça dans mémoire président Jovenel Moïse. Mais dans assistance là, nous t'ai remarqué présence ancien commissaire gouvernement Bedford Claude et ancien premier ministre Claude Joseph, deux personnalités ça qui t'ai prendre la parole pendant messe là. Le président assassiné, couché mort à bout, berçant au président de la République. Et je dis là, 2 ans plus tard, pas de rien qui fait que politique avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tout le monde connaît comment assassiner vous, éjecter vous. Je suis premier ministre et je retourner dans le gouvernement. Parce que le principal obstacle. Pendant le déroulement de célébration, pas de pour l'église, l'opinion était divisée. Qui est-ce qui mange chat là? Mateli, Ting, Claude, Ariel. Qui est-ce qui mange chat là? Mon père. Son vac à bok mouri. Son traite, yon apatride qui mouri, li mouri dans pied travail li. Et en effet, c'est pareil li yo qui s'assine ni. C'est le président haïtien qui mouri, c'est eu son messe de affaires pour lui à l'occasion de l'assassinat. Je pense que tout haïtien est peut-être pour ça en l'autre cas. Ce n'est pas une campagne politique, ce n'est pas un moment pour une manifestation. Je ne comprends pas rien du tout là. Ça a été fait à battre le bon Dieu de Jovenel Moïse, mais Jovenel Moïse n'a rien pour nous-mêmes, pour les haïtiens. Mais quand même, c'est un ancien président qui a assassiné. Bon, c'est un ancien président, mais lui-même, c'est pas le président peuple l'aldeye. Mais qu'il a assassiné, il a assassiné pendant le président. Bon, c'est Mette Li qui a assassiné lui. Jovenel Moïse a travaillé pour Mette Li. Et Mette Chatelan, mange Chatelan. Et c'est eux-mêmes qui sont responsables. L'homme Jovenel. Nous devons plus unis, nous, eux-mêmes dehors, nous-mêmes en dedans là, pour nous capables de commémorer et assassiner ça, pour nous être capables de dire ensemble non et jamais plus. Pour un président dans la Cali pour les assassiner. Mais malheureusement, c'est autre chose qu'il y a fait. Même penser qu'il y a un droit pour le faire et nous-mêmes tout, nous avons un droit pour nous commémorer. André, qui habitait dans Canarsie, pas de fin d'accord avec manifestants qui t'a fait bouillir sous quartier. Oui, nous, parce qu'ils ont imposé, moi, tendant à garder ça avec mon lacay, moi, il y a pas un bon bruit pour rien. Moi, dis André, ce travail qui est très dur, ce travail qui est nécessaire, et pourtant, nous pas désolé nous déranger, parce que nous faisons un travail pour le peuple haïtien. Tu veux me parler tout? Non, je ne vais pas parler devant nous. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis Brooklyn, New York.